do you sort of see the two things encroaching on each other? Yeah, like on time? Well, my yacht's parked. Yeah, we got Marvel movies, things pretty universal. How do you? The movie is about Riley. Le film parle de Riley, 11 ans, mais en fait, elle est le cadre du film parce que dans sa tête, il y a ses émotions. Comme tout le monde, elle ressent de la colère, de la peur, du dégoût et de la joie. Et ces sentiments la guident dans ses décisions quotidiennes. Tout a commencé en regardant ma fille de 11 ans, et qui plus jeune était une enfant vraiment très turbulente, qui parlait à tout le monde, une enfant très dynamique, quoi. Mais à ses 11 ans, elle est devenue beaucoup plus calme et comme ça. Je me suis demandé ce qui se passait dans sa tête, c'est vrai, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Notre idée de base, c'était prendre les choses en nous et les transformer de manière pratique et physique, leur donner vie. Bon, les émotions, ce ne sont pas vraiment des petits personnages qui courent dans votre tête. J'espère que ce n'est pas une surprise, mais dans le film, ce sont bien des petits personnages, et c'est une bonne façon de se les représenter. C'est un monde qui, je pense, a beaucoup de potentiel. On a tous des pensées, tout le monde a des petits personnages. C'est une histoire universelle.